Est-ce que vous connaissez le site internet Twinies? Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais vous présenter un site d'enchères. Il se nomme Twinies. Le site propose une nouvelle façon d'acheter. En plus de ça, le clic est gratuit. Il n'y a pas d'arnaque, le site est 100% sécurisé et le site est assez ludique. Ça me rappelle ma série de vidéos Le Bon Coin où j'ai pu faire de bonnes affaires. Si jamais tu ne peux pas être devant ton écran lors du début de l'enchère, tu peux programmer une enchère automatique. Toi qui fixes ton budget et en plus de ça, il n'y a pas d'obligation d'achat. Avant de commencer à faire une enchère, je vais te montrer très rapidement l'inscription et surtout l'histoire des clés. Crée ton compte. Pense à vérifier tes spams pour la validation de l'inscription. En ce moment, le site offre 3 clés. Si tu parraines un ami, tu gagnes une clé supplémentaire. Repère l'objet que tu veux et clique sur participer. Pour accéder à une enchère, il faut un certain nombre de clés qui varient en fonction de l'objet qu'il y a à gagner. Par contre, une fois que tu es enregistré dans une salle, ton compte de clés est automatiquement débité. Donc bien faire attention. Une fois le nombre nécessaire de participants atteint, l'enchère débutera à 19h, heure française. Bon, c'est super cool tout ça, mais on va tout de suite commencer. Et bien ici, une enchère avec le Honor 8 blanc. J'ai vérifié sur Amazon, il a un peu plus de 360 €. On va enchérir. J'ai la main, donc suffit de cliquer dessus une fois qu'une autre personne, donc forcément, et bien enchérit. Ce qu'il faut savoir, c'est donc ici, le prix de base est de 359 €. Ici, on a 60 centimes. Et donc forcément, il y a un minuteur. Et qu'une fois qu'on va enchérir, et bien on va remonter à 15 secondes, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui va enchérir, donc 1,20 €, c'est plutôt potable pour l'instant, on va continuer. Alors ici, mon objectif n'est pas vraiment de l'acheter, c'est vraiment de vous présenter, puisque je vais vraiment participer à côté, il y a un micro-ondes franchement qui m'intéresse, et il est pas cher aussi, j'en ai besoin d'un. Donc il y a vraiment de tout dans la tech, et c'est très intéressant. Là voilà, on est à 16,80 €, j'ai enregistré ça parce qu'en fait, si vous voulez, ça démarre à 19h, et que ici je suis rentré gratuitement donc sur, on va dire, ce petit plateau pour pouvoir enchérir tranquillement. Ah, il faut savoir que si au bout donc des 48 heures le gagnant il n'a pas validé sa vente, donc automatiquement le produit donc est proposé à l'avant-dernier enchérisseur. Et ça, je trouve que c'est super bien parce que imaginons eBay ou autre site, on a ce souci là où quand on va enchérir et tout et que finalement la personne décide de ne plus continuer ou de plus poursuivre et de ne pas passer à la transaction, il dit bon bah finalement j'ai trouvé quelque chose d'autre moins cher ou finalement ça m'intéresse pas. C'est à dire que la deuxième personne qui voulait vraiment l'acheter mais qui a pas osé, qui a pas voulu aller plus haut, et eh bien lui finalement il l'a pas alors qu'il était prêt à payer. On a 185 €, ça dure environ une petite heure, donc c'est bien de, par contre, d'être bien derrière l'écran parce que des fois ça peut s'arrêter à un prix très correct. Et donc ici ça s'est arrêté donc pour David38130, un grand bravo à toi, à 185,40 €, alors que le prix de base était à 359 €. Et comme je vous l'ai dit, j'ai regardé sur Amazon et ça se vend très cher, le Honor 8 blanc. Donc il y a honnêtement de très bonnes affaires. Je trouve que le concept est plutôt sympa. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Boum, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et tu sais quoi? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.